1942. Nous escortons un groupe de bombardiers sur le chemin du retour. C'est alors que nous sommes pris à partie par les Focke-Wulf 190. Ils se faufilent entre nous, puis plongent vers les bombardiers. Ils filent plein gaz, cassent leurs piquets et remontent dans le soleil. La supériorité du Focke-Wulf est telle que nous sommes totalement désarmés. Le Spit 5 grimpe beaucoup moins bien. En cette fin d'année, nous avons tous entendu parler du Spit modèle 9 qui va être mis en service. Mais ce n'est pas pour nous. Et pourtant, ce nouveau modèle nous permettrait de lutter plus facilement contre le Focke-Wulf. J'enrage d'avoir un avion si lent. Deux jours auparavant, c'était le tour de Pat Hood et de Jack Wilson. Alors qu'ils rentrent de patrouille, ils ont des ennuis d'alimentation d'oxygène. Ils font joyeusement et sans s'en rendre compte des montagnes russes dans le ciel. L'anoxémie les gagne et ils n'ont pas vu les deux Focke-Wulf. Encore une fois, c'est la faute de ce maudit Spit 5. Et aujourd'hui, juste après mon atterrissage, j'apprends que Bill Hogarth a été descendu sous les yeux de son numéro 2. Bill était un excellent pilote. Son Spit a un sérieux problème de moteur. Il perd de la vitesse et de l'altitude. C'est à ce moment-là que les Focke-Wulf leur sont tombés dessus. Pauvre Bill, ça n'est pas de ta faute s'ils t'ont eu. C'est encore une fois cette saloperie de Spit 5 qui s'est montrée inférieure à l'adversaire. Je suis totalement déprimé et mon moral est à zéro. Il y a la disparition de nombreux camarades et la mutation des autres Britanniques vers l'île de Malte. J'en ai assez. Il faut que je passe ma hargne, que je fasse quelque chose. Je repars avec mon vieux Spit et je fais un décollage à l'américaine au ras des pâquerettes. Je prends dans mon collimateur le toit du commandant de la base. Rassurez-vous, je ne veux pas tirer. Je me lance alors dans une série d'acrobaties. Tout y passe. Piqué, tonneau, chandelle. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça remue en bas. Tout le personnel au sol a quitté les hangars et les bureaux pour venir voir le Spit devenu fou. Dans la R.A.F, on n'aime pas beaucoup ce genre de défoulement. Ça ne concerne pas le risque que prend le pilote, mais surtout le risque de casser un avion. J'ai tout le temps de méditer sur la valeur du Spit 5 pendant les 6 jours d'arrêt que je passe dans ma chambre. Au début de l'année 1943, grâce à mon ami Marie Dor, je quitte enfin le 130e squadron et le Spit 5 pour rejoindre le 91e squadron à West Hampnett. Cette base discrète recèle un secret, le Spit 13. Après avoir potassé le manuel d'emploi, c'est le moment de l'essai. J'allume le commutateur principal et le tableau de bord se met à vivre. En voyant tous ces cadrans, je me souviens de la plaisanterie classique. Au moins la moitié sont là pour la frime.
J'actionne l'injecteur, j'engage une cartouche de démarrage. Contact de magnéto, manette de gaz légèrement ouverte. J'appuie le pouce sur la mise à feu du Kaufmann. Radiateur sur automatique, radio en marche, trim compensateur à gauche. Leaving for taxiing and takeoff, over. Ok, leaving. Low control, may I take off? We're looping, we may take off. Dans les écouteurs, j'entends mon ami Marie dehors. C'est parfait, rentre le train et prends la vitesse. L'accélération est démoniaque. La vitesse en palier est d'au moins 150 km/h de plus que le Speed 5. 800 km/h à 6000 pieds. Puis c'est le moment de se poser. Pour me détendre, je me répète cette vieille blague. Il n'y a pas d'exemple qu'un avion ne se soit pas posé. C'est vrai, mais il y a la manière.